rire des réveils RFM, c'est ça. C'était dans l'actu. 06 08 900 920 pour venir en aide à Caro et Lucas, parce qu'on va jouer au grand jeu de l'actu. C'était dans l'actu, c'est une chose qu'on a repérée et que vous n'avez peut-être pas repérée, mais celles et ceux qui sont déjà avec nous l'auront peut-être fait et donc ils vont venir en aide, hein, parce que vous n'allez pas trouver évidemment comme d'habitude. Bah, arrête de dire comme d'habitude, parce que je pense que vraiment si on fait au pourcentage et à la proportionnalité, on a trouvé beaucoup plus de fois que tu ne le crois. Ouais. De toute façon, vous trouverez pas. Vous aurez désormais 15 minutes pour aller à votre place, sinon elle sera attribuée à quelqu'un d'autre. Ouais, je sais. Mais quelle est la question? C'est ça. Je il sait, Lucas. Je joue pas parce que je sais. Vous aurez désormais 15 minutes pour aller à votre place, sinon elle sera attribuée à quelqu'un d'autre. Je vous donne le titre de l'article tel qu'il est sorti sur le site de France Info. J'ai juste enlevé une marque parce que sinon ça va vous donner la réponse. Alors Lucas ne dit pas. Donc c'est en voiture. Non, je ne dis pas. Non. Non, c'est pas en voiture. Non. C'est pas un parking, un supermarché. Non. À votre place. 15 minutes. Pour aller à votre place, sinon elle sera attribuée à quelqu'un d'autre. Place à la Est-ce que nous avons des bonnes réponses? Est-ce que nous avons des bonnes réponses, Lucas? Absolument. Alors, il y a certains messages qu'on peut pas lire parce que c'est suivi d'insultes envers l'entreprise. C'est pas cool ce qu'ils ont fait, du coup. Oui, parce que l'entreprise qui te donne ces 15 minutes pour aller faire quelque chose. Voilà, c'est une entreprise qui est toujours en retard. Oui. Donc c'est la SNCF. Exactement. Voilà. Si tu ne vas pas prendre ta place dans les 15 minutes, tu perds ta place. Sauf qu'il y a eu un démenti de la SNCF elle-même sur Twitter. Tu peux évidemment aller dans les zones pour téléphoner, tu peux aller au bar, tu perds pas ta place. Mais si au bout de 15 minutes, le contrôleur constate qu'il n'y a personne, il peut réattribuer ta place à quelqu'un. Donc il ne faut pas être en retard. Tu l'avais, Lucas ? Absolument. Voilà. Bah, il est au taquet sur tout ce qui est partir, tout ce qui est rentrer à Rodez. Effectivement, il y a énormément d'insultes envers la SNCF qui met ça en place. Alors qu'avant-hier, il y a un TGV qui est arrivé avec 17 heures de retard. Ouais. 17 heures de retard. Ouais. Vraiment, ils ont réattribué sa place. Quoi. Est-ce que tu peux réattribuer ton argent à quelqu'un d'autre avec 17 heures de retard? Ça marche beaucoup moins bien dans ce sens-là. Cadeau, bonne humeur et plus de musique, c'est le meilleur des réveils dès 6 heures. RFM.